YouTube, Jean Faible. Bon, aujourd'hui, on va faire de la construction. Je vous passe le off où j'ai farmé pas mal de ressources histoire de pouvoir avancer là-dessus. Voilà. Hop. Oh putain, le boucan de cette foreuse. Ok, on a allez, 3000 et on sera bon. On va prendre un peu de bois aussi. Comme ça, on sera... Ah, bah alors. Ah bah, bonjour. Ah bah merci. Ok. Très bien. On prend. C'est la petite horde du matin. Oh, la doublette. La doublette. Ok. On va casser lui parce que ça me gêne. Bon, on a bien fait de pas mettre... On a bien fait de pas mettre la forêt juste à côté de chez nous parce que j'ai vu que ça faisait ramer en passant devant le trader la dernière fois. Je pense qu'on a fait une bonne opération. Ok. Donc j'avais avancé un petit peu sur la clôture. On avait on avait fait tomber toute la palissade la dernière fois. Et on avait commencé ça. Alors je m'étais rendu compte après l'avoir fait que j'avais oublié les miradors. Je rappelle l'objectif. On fait un trader. On devient trader après. On va plus rien foutre. Donc l'idée c'était d'avoir un trader. Alors faut que je regarde comment j'avais fait ça ici. Ouais, c'est tout collé. Donc il va falloir qu'on colle tout. Et nos trucs fait combien de large? Il fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc nos miradors font 5 de large. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors 1, 2, 3. Mirador arrive ici. 1, 2, 3, ici. On aura un mirador là. Ouais, nickel. Comme ça, il y a l'arrivée là. Je suis ok là. Ah non, je suis pas bon. Ah si, c'est bon. Parce que du coup, c'est comme ça que ça se fait. Ouais, c'est bon. C'est comme ça. On aura le même à l'autre bout. Ah, ici. Parfait. Un là. Alors, je ferai peut-être un passage pour rejoindre ici. On verra. Et le dernier ici. Et ben voilà. On est ok là-dessus. Je vais aller lancer du coup. Je vais aller lancer des trucs là-haut. Alors, notamment, on avait le béton. On a mirador à faire. J'ai un peu de bois. J'ai complètement un peu de bois. Et j'ai un peu de pierre à pavé qui tourne. Donc, ça va être pas mal. Éventuellement. Alors, faut que je regarde, oui. Combien de quelle taille fait le mirador en hauteur? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a bien fait de renforcer. Oui. Nickel. 4, 5 et 6. Ça va jusqu'à là. Parfait. Bon, ça va être bien. Est-ce que ça va être utile? Non. Mais est-ce que c'est pas tout l'intérêt? Ok, comme ça, on a notre base. Ok, ok. En attendant, je vais me faire un petit passage ici. Ça me fera gagner du temps. Et on était parti sur quoi, là? Ouais, on était parti sur un truc comme ça. Putain, ça, c'est dangereux, hein, parce que si pendant une horde, il me trouve un chemin par... il me trouve un chemin par ici pour aller me péter la gueule pendant que je suis là-haut, voilà, ça me ferait trop drôle, hein. Mais bon, on est complètement confiant, hein. Évidemment, ça n'arrivera jamais. Nickel. Ok. Donc, normalement, là, on est bien. Je vérifie comment j'avais fait à l'intérieur. Bon, ça, c'est normal, c'est les zombies qui l'avaient cassé. Ok, on était parti sur un truc comme ça. Ah, très bien. Et on avait fait, alors, du fond... Ah oui, c'est, puis c'est du demi-mur ici. On va refaire pareil. Hein. À peu près, évidemment. Ça sera une symétrie approximative.
cette variété dans les textures de la base. Ça nous fait vraiment plaisir, ça. Ah, on a de la visite. Alors, on va pouvoir savoir si ils ont pas trouvé de chemin alternatif, du coup. Ah oui, il y a ça qu'il faut... Ah oui, alors, il y a ça qu'il faut que j'arrange. Parce que ici, ma tête ne passe pas. Regardez. Hop. Dans un sens, oui, et dans l'autre, non. Oui, je suis obligé de me baisser, quoi. Et ça, c'est pas commode. On va attendre les petits loustiques. Ouais, c'est le bloc au-dessus, on va mettre un truc plus fin. Alors le problème à peindre tout, c'est que là, on sait pas si c'est de l'acier ou si c'est du béton. Mais je crois que c'est du béton. Ah, je savais pas que les animaux étaient effrayés par les zombies. En même temps, c'est logique, hein. Merci. Oh, notre... notre M60. Oh, c'est de la poésie, hein. C'est de la poésie. Ah, attendez, je règle ça, sinon je vais oublier. Où on veut passer de façon fluide, hein. Comme une sorte de ninja. Hop, petite ouverture. Bon. Ouais. Je pense que c'est en fait l'idée de merde d'aller sur ce truc-là, en fait. Donc, ce qu'on va faire, on va reviser notre copie sur cette histoire de trappe. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Est-ce que ça règle notre problème ? Oui, donc on a cassé le bloc là pour rien. C'est normal, ça nous arrive tout le temps. Voilà. Magnifique. Ok, donc là, on est... Ok. On passe sans souci. Ça m'aurait fait mal que je passe plus. On n'a rien vu. On n'a rien vu du tout. Alors... La porte, c'est là. Alors, comment c'était fait en face ? Ouais, voilà, on était parti sur un truc qui ressemble à rien. Et voilà. Ah, du coup, j'aurais peut-être dû... Ah oui, si, attendez. On avait fait un truc, mais on n'était pas convaincu en face. On va faire plus simple ici. Et en gros, on essaie de reproduire un design d'un trader afin que des joueurs viennent, on leur donne des quêtes qu'on a pris chez le trader, comme ça ils font la quête à notre place, et comme ça on n'a pas besoin de la faire. C'est ça le plan en fait. C'est ça le coup de génie, tu vois. Alors tu pourras me répondre, mais Jack, c'est complètement con vu que tu joues tout seul. Je vais te répondre, tu t'arrêtes sur des détails. Bon, après, pour le reste, on a encore besoin de pierres à pavé. Non, ça, je vais pouvoir les enlever pour faire du béton directement. On en a quand même besoin d'encore un petit peu, hein, de pierres à pavé. Oh, putain, on en a besoin de tellement. On a une illusion de solidité parce qu'on a quand même un rempart tout autour. Donc ça, c'est vrai que ça peut créer l'illusion. Mais je pense que tout ça n'est qu'illusion. Hein. Ok, on a les blocs de béton. On va pouvoir aller bouger ici. Après, il y en a qui me diraient ça serait peut-être plus malin de renforcer la prod. Et je répondrais peut-être. Peut-être bien. Bon, on aurait dû faire tout en blocs de béton directement, mais le problème, c'est que les blocs de béton, si on se trompe, bah c'est long. C'est long à casser. Vous vous souvenez, dans les alphas précédentes, on avait des blocs en acier. Quand vous en posiez un et que ça ripait et que vous en mettiez un à un endroit où vous ne vouliez pas du tout le mettre, vous mettiez 5 minutes à le casser, surtout si vous n'aviez pas de spé qui vont bien pour ça. Alors normalement là on va être ok là. Oh oui. Voilà. Là on est bon, là on est bon. Alors voilà, on a tout le tour. Oh, parfait.
On fait des miradors, mais j'en peux plus. Franck va apprécier. Hein. C'est ça qu'il faudrait qu'on fasse pour les opossums, ce genre de base-là. Après, le truc avec les opossums, c'est qu'on trouve toujours un moyen de faire foirer des trucs. Alors que, à la base, je fais rien de surnaturel, vous voyez, au niveau du... au niveau des architectures. Mais je ne sais pas pourquoi, avec Franck, ça foire. Allez comprendre. Oh, ça, c'est le destin, regardez. J'en ai pile 4. Ça, c'est le jeu qui m'envoie un message qui me dit « T'es sur la bonne voie, mon gars. » Putain, j'ai fermé la porte. Il y avait une porte, normalement, ici. C'est pas grave. Ils passeront par ici. Oh, je pense que c'est OK. Hein. Il faudrait qu'on ait plein de zombies qui arrivent pour qu'on voit qu'ils essaient pas de casser quelque chose qu'on veut pas qu'ils cassent, quoi. J'ai une petite question. Le bloc de revendication s'étend jusqu'où ? Bonne question. J'en sais rien du tout. On peut le savoir. Ah bah il est où ? Attendez, ça c'est le vieux, ça. Alors oui, ça j'avais noté, le bloc de revendication c'était tout simplement désactivé parce qu'on avait passé le délai, quoi. En fait, le bloc de revendication est... Bah, il est cassé aussi. Ah bah oui, j'ai pas connecté depuis... Attendez, je le réactive. Je peux pas le réactiver ? Ah, faut que j'en refasse un. Putain, je vais me retrouver encore avec des zombies. Ça doit être IRL, ça doit être genre... je sais plus combien, ça doit être une semaine ou un truc comme ça. C'est comme sur serveur, quoi. C'est un peu bizarre, ça. Je vais le remettre. Je pense que c'est lié au fait que j'ai pas pu jouer pendant une semaine et du coup, le bloc doit avoir une durée d'à peu près une semaine. Faut que je le modifie dans les paramètres. Ah, je suis un peu hors sol au niveau de ma base, regardez. Ça dépasse. Bon, on va dire que c'est chez moi. Hein. Par contre, là, je suis bon. Et je dépasse, j'ai vu un peu grand. Voilà, d'ici, je vois rien. Ah si, on est pas mal. Hein. Ah, c'est le POI qui est grand. Hein. Je pense qu'en le plaçant... Non, je peux pas avoir ma base en entière dans le cadre. Hop, voilà. On a le petit truc comme ça. Je verrai. Est-ce qu'on fait... Je vais réfléchir sur cette partie-là. Du coup, ici, on va terminer le... Bah, on va terminer ce truc-là. Par contre, je vois... Niveau bois, il m'en reste 300... on va aller en rechercher. Surtout que on a la tronçonneuse. Ça va permettre de faire ça dans des conditions acceptables. Bon, n'hésitez pas à aller vous faire un thé parce que là, ça va être bruyant et pas intéressant. Ça va être un petit peu comme un discours de ministre, quoi. Allez, bienvenue à Lac City. Oh la vache. Faut que j'arrête de faire mes forêts comme ça. Faut que je les espace plus. Alors, je me mets pas comme ça pour être furtif, hein. Je sais que je suis con, mais pas à ce point-là. C'est juste que ça fait moins de bruit. Ça fait un peu moins de bruit. Ça commence à avoir une bonne tête quand même. Hein. Oh, la mégalomanie est totale. Hein. Alors du coup, ici, on part là-dessus. Hein. On verra comment on gère ça à terme. Pour l'instant, ça me plaît bien. Normalement, on est à la bonne hauteur ici. Thank you.
Ça y est, tout a été bétonné de façon bétonifère. Je te cache pas qu'on a plus de béton du coup. Mais regarde, toute la muraille est prête. Alors, on n'a pas fait, j'ai pas fait les toits. J'ai pas fait les toits comme ça, tout simplement parce que je suis pas sûr sur l'esthétique de ces trucs-là. Mais voilà, on a une muraille intégralement bétonnée, comme tu peux le voir, tout en béton. Ça sert pas à grand-chose, mais voilà, on a une illusion de sécurité. Et ça, c'est bien. Bon, évidemment, normalement, les zombies sont censés passer par les portes prévues à cet effet, pendant la horde, pour me rejoindre ici. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils ne trouveront pas... on voit, j'ai oublié de finir de bétonner des petits carrés, là. C'est pas grave. Ça sera peaufiné à terme. Mais voilà. Une parfaite zone sécurisée, YouTube. J'espère que t'apprécies, YouTube. À la prochaine. C'est magnifique. On n'a plus qu'à renforcer. Vous allez voir, on va renforcer ça de façon magistrale. Je vous fais confiance. Hein. N'allez pas raconter ce que vous allez voir. Je crois que c'est celui-là. Hein. Attendez, on va vérifier. Putain, l'illusion est parfaite. Peindre de chaque côté. On veut ça déjà. Et on peint la surface. Je vérifie. Ça y est, c'est quasi fini. Pourquoi s'emmerder à farmer du béton alors qu'on avait déjà tout sur nous? Hop là. Oh, incroyable. Regardez ça. C'est beaucoup plus solide comme ça. Quelle indignité.